Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous voulons revenir encore sur cette rencontre qui va avoir lieu le 14 novembre prochain. Vous le savez, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, la République démocratique du Congo va se confronter à l'Angola en double confrontation d'ailleurs. 14 ici à Kinshasa et le 17 novembre en Angola. Les deux équipes qui restent en mauvaise position après leurs deux premières journées ratées pour la République démocratique du Congo. Deux matchs nuls, d'abord ici à Kinshasa contre le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, ensuite en Gambie où la République démocratique du Congo n'a pas pu prendre le dessus et l'Angola qui a perdu les deux premiers matchs en premier lieu contre la Gambie en Angola et en deuxième rencontre, c'était au Gabon contre l'équipe de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, la République démocratique du Congo qui cherche à se relancer, tout comme son adversaire, a déjà eu à publier en tout cas la liste de ses 25 sélectionnés pour cette rencontre. Mauvaise nouvelle, malheureusement, pour la République démocratique du Congo et nos fauves, les léopards. Quelques binationaux ne seront pas disponibles. Il s'agit notamment de Johan Wissa de Lorient qui a marqué le but égalisateur face au Maroc. Il y a également Omenouke Mfoulou de Elche en Espagne et aussi Gédéon Okalulu d'Ajaccio en France. Ces trois binationaux ne participeront pas à la double confrontation très décisive face à l'Angola le 14 et le 17 novembre prochain. Alors, ces derniers, en tout cas, ont évoqué comme raison de leur absence un problème purement administratif, et c'est le manque de passeport. Faute de passeport, les trois joueurs congolais que nous avons cités, Johan Wissa de Lorient, Omenouke Mfoulou de Elche, Gédéon Kalulu de Ajaccio en France, ne vont pas participer à cette rencontre incroyable, mais vrai. Ajoutez à cela encore un troisième joueur qui se trouve dans la même situation, manque de passeport, il s'agit de Kabamba de Kilman Nord, en Écosse, et lui était sur la liste d'attente. Et c'est vraiment triste de voir qu'en République démocratique du Congo, l'amateurisme au sommet de la ligne à foot continue, et c'est malheureux et c'est dommage. Alors, à ces trois joueurs, quatrième que nous avons cité, qui étaient sur la liste d'attente, il faut ajouter en tout cas également trois cadres de l'équipe nationale, notamment Arthur Massouakou, Cédric Bakambu et Paul-José Mpoku qui sont déclarés également forfaits. Et c'est à travers un communiqué publié par la FECOFA qu'on a appris que Cédric Bakambu ne sera pas de la double confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Angola le 14 et le 17 novembre prochain, bientôt donc, à cause d'un refus de son club chinois. On se rappelle que pour les deux matchs amicaux que la République démocratique du Congo avait joué au Maroc, contre d'abord contre le Burkina Faso, ensuite contre le Maroc, on se souvient que Bakambu n'a pas été libéré pour rejoindre l'équipe et participer à ces double match. Et Arthur Massouakou et Paul José Mpoku seraient blessés et ne feront donc pas partie des joueurs qui vont disputer ces deux matchs très décisifs contre l'Angola. Et le sélectionneur national Christian Ntengi Biembe devait rapidement réagir. Il l'a fait en rappelant en tout cas Ben Malango et Elia Meshak, Dark Kabangu et Brit Asombalonga pour suppléer l'absence des joueurs que nous avons cités. Il faut également noter que le rassemblement des joueurs va débuter dès ce lundi 9 octobre au Safari Beach à Ntélé. Nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa. Alors,
Alors, de cette information que nous retenons, nous nous posons la question maintenant, d'où est-il sorti que Arthur Masuaku serait blessé, qu'il serait forfait pour le match des Léopards? Pourtant, hier, Arthur Masuaku, hier samedi 7 novembre 2020, a bel et bien joué avec son équipe de West Ham. Hein, et Arthur Masuaku rencontrait d'ailleurs pour ce match l'équipe de Niskens Kebano Fulham. Un match très disputé d'ailleurs, mais remporté par West Ham 1-0. Et Arthur Masuaku figurait bel et bien sur la liste des titulaires. Il était titulaire pour cette rencontre-là. Alors, cette information qui nous est parvenue, selon laquelle Arthur Masuaku serait blessé, d'où est-elle venue? Est-ce qu'il y a un problème de communication au niveau de la FECOFA? Et visiblement, très clairement, c'est un problème d'amateurisme que nous avons toujours décrié. Comment pouvez-vous comprendre que des joueurs, pour un match, pour une double confrontation aussi décisive que celle du 14 et du novembre, du 17 novembre 2020, que trois joueurs, dont un d'ailleurs a été buteur lors du match amical face au Maroc, il a égalisé contre le Maroc à Rabat, justement, c'était un match amical très très disputé. On se souvient que le Maroc avait précédemment battu le Sénégal très lourdement. Et Wissa sera absent simplement pour des problèmes de passeport. On sait qu'ici en République démocratique du Congo actuellement, les passeports ne sont pas délivrés depuis la fin de contrat avec la société belge Semlex. Une fin de contrat intervenue le 11 juin 2020. Jusqu'à ce jour, on n'a plus délivré les passeports. Des discussions continuent. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut délivrer des passeport. C'est quand même incroyable que la FECOFA et le ministère des Sports n'aient pas pu anticiper cette difficulté. Mais normalement, des joueurs, en cas des problèmes de passeport, on peut même leur octroyer des tenants-lieux pour leur permettre de se déplacer, d'arriver ici à Kinshasa et de jouer notamment face à l'Angola. Je pense que quitter le pays où ils se trouvent et venir ici ne devrait pas poser trop de problèmes. Je pense que ce sont des éléments dont nous avons besoin. Mais visiblement, le choix a été déjà fait par le sélectionneur national de les remplacer, et espérons que ça va aller. Il faut également dire qu'il y a un joueur qui remplace ceux qui seront absents, c'est Elia Meshak. Nous avons appelé en tout cas la FECOFA à revoir sa décision de suspension de 12 mois qui était d'ailleurs arrivée au terme. On n'a pas compris pourquoi Elia Meshak, qui évolue plutôt bien en Suisse avec son club de Young Boys, n'a pas été rappelé pour revenir en équipe nationale, mais les circonstances lui permettent maintenant d'être présent. L'absence de Bolasi, qui ne se trouvait déjà pas sur la liste des 25, et maintenant ajouté à cela Paul-José Mpoku, Cédric Bakambu. Je pense que Elia Meshak peut être un joueur très capital et peut nous aider parce qu'il est imprévisible. Il peut vous sortir un match d'un autre monde et vous inscrire des buts venus d'autres planètes. Et heureux de voir ce joueur revenir. Quant à Ben Malan, je reste un peu, mes sentiments restent un peu mitigés par rapport à ses performances, mais il faut dire qu'en l'absence de Cédric Bakambu, en l'absence de Jackson Muleka, Ben Malango, et qui est un avant-centre aussi puissant, peut toujours nous aider à faire quelque chose face à cette équipe angolaise. Et Ben Malango qui, avec le tout-puissant Mazembe, a eu à affronter en tout cas des clubs angolais. Il connaît bien quand même le genre de football pratiqué en Angola. Et il y a également Brit Asombalonga qui est un des meilleurs buteurs des Congolais, qui a beaucoup de talent et qui peut toujours nous sortir un très beau match. Espérons en tout cas qu'il pourra nous apporter beaucoup de bonnes choses en l'absence, je l'ai dit, de Cédric Bakambu qui va énormément nous manquer. Espérons que le sélectionneur national pourra colmater en tout cas les brèches par rapport à ces absences-là. Je l'ai dit, ce sont des absents de taille, des cadres de cette équipe nationale. Paul-José Mpoku notamment, Arthur Masuaku qui fait une très belle saison avec son club de la capitale Londres, capitale de la Grande-Bretagne, West Ham. Et Arthur Masuaku se comporte
porte plutôt bien. Nous aurions bien voulu le voir ici. Pourquoi et quelle est la raison fondamentale de son absence? Parce qu'on ne peut pas nous expliquer qu'il soit blessé ou autre chose, à moins qu'il y ait aussi également un problème de passeport. Parce que hier, il a bel et bien joué avec son équipe de West Ham. La FECOFA nous doit des explications pour le cas de Arthur Maaswaku. Alors, avec l'équipe que devra composer le sélectionneur national avec les joueurs en sa possession, espérons qu'il pourra se battre, hein, parce que ces deux rencontres sont très très décisives, hein. On a besoin d'une équipe qui sera réaliste et qui pourra en tout cas remporter les deux matchs. On a besoin des trois points, un match nul et on sera vraiment dans une situation très très difficile, et la CAN risque de s'éloigner un peu plus, hein. Pour nous, je rappelle qu'on a deux points dans ce groupe après deux matchs nuls concédés, d'abord ici à Kinshasa et ensuite en Gambie. Il faut dire que nous jouons contre une équipe qui aura à cœur, hein, de se relancer également avec zéro match remporté, aucun nul, deux défaites. L'Angola qui a zéro point va avoir à cœur en tout cas de se relancer également en cherchant à remporter ces deux matchs et empocher les six points. Voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous, hein, en rapport avec cette situation des Léopards. Un coup dur donc, le Léopard qui vient de perdre six joueurs, si j'ajoute le joueur qui était parmi les réservistes, ça fait 7 et c'est beaucoup. Je pense que quelque part il y a là la responsabilité de la FECOFA et un manque d'anticipation, et c'est très mauvais, hein, pour une double confrontation aussi décisive que celle du 14 et du 17 novembre prochain. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez également réagir, hein, en exprimant votre point de vue à travers des commentaires. Abonnez-vous aussi sur votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.